Bonjour, nous avons vu la semaine dernière les piliers de l'islam. Ils étaient cinq. Au fond, ces piliers renvoient essentiellement au rite, ce que font les musulmans, au rituel. Hein? La question de l'aumône, la question du jeûne, la question de l'attestation de foi par laquelle on devient musulman, la question du pèlerinage, tout ça finalement c'est dans une certaine pratique. Hein? Comment les musulmans pratiquent leur religion? Aujourd'hui, nous allons voir, mais nous allons nous poser la question de savoir en quoi croit-il? À quoi croit-il? Quelle est la croyance des musulmans? Quelle est la foi des musulmans? La foi, c'est iman. Quelle est la croyance? Aqaïda. Quelles sont les croyances? Il existe en islam des ouvrages qui répertorient l'ensemble de ces croyances. On en a ici un exemplaire. Aqaïda al-Islamiyya. C'est un ouvrage qui présente ces différentes croyances. Quelles sont-elles? Il y a bien sûr cette affirmation que Dieu est unique et qu'on trouve d'ailleurs hein, dans l'attestation, dans la shahada également. Dieu est unique. C'est cette affirmation, cette foi dans un monothéisme. Et d'ailleurs, vous le verrez dans le développement du chapitre, il y a un geste important chez les musulmans, c'est cet index levé vers le ciel. Cet index levé, c'est celui de l'unicité de Dieu. Hein, Dieu est unique. D'où d'ailleurs ce geste au moment où un musulman meurt, quand il est enterré, on lui joint les mains avec l'index levé vers le haut pour signifier précisément que c'est un musulman qui meurt hein, et qu'il croit que Dieu est unique. Mais il y a aussi d'autres croyances dans l'islam. Il y a notamment la croyance dans les anges. La croyance dans les démons, la croyance que Dieu envoie des prophètes, la croyance aussi qu'il y a après la mort, eh bien, un paradis, mais aussi un enfer. C'est toute la dimension eschatologique. Donc le but de ce chapitre, c'est d'entrer dans chacune de ces croyances, de les exposer, toujours à partir des sources, évidemment, le Coran, la Sunna, et donc de découvrir en profondeur les croyances, le credo, hein, al-Aqaïda, les croyances des musulmans. Bon travail à vous tous!